Je suis le pasteur René Blaise Mbop Akok de la Fédération Saint-Esprit Cameroun, directeur des ministères personnels d'évangélisation. L'année 2018 a été une année de grand succès, de grande aventure avec le Seigneur dans le domaine des ministères personnels et de l'évangélisation. Le temps a été donné au mois de janvier 2018 avec la grande campagne Pentecôte qui a connu un grand succès à cause de l'implication et de la participation et des pasteurs et des laïcs. Et cet élan s'est poursuivi tout au long de l'année à travers les différents programmes et les efforts missionnaires qui ont été menés, campagne des femmes, campagne des jeunes, campagne des hommes. Et toutes ces campagnes nous ont permis d'avoir un résultat de 3426 baptêmes. Ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire de notre fédération. Nous voulons dire merci à Dieu pour ses efforts. Merci à Dieu pour ses résultats. 2019 est une année de grands défis. En 2019, nous avons un grand projet, spécial, baptisé Mission Apôtre. Nous voulons nous rapprocher des communautés où l'Église n'est pas encore arrivée, des communautés vierges. Nous avons choisi 15 dans la région du centre et du sud Cameroun. Et nous sommes déjà en plein dans ce projet où nous voulons que des communautés puissent naître dans ces différents endroits. Alors nous appelons ici les âmes de bonne volonté, les élites et toutes les personnes généreuses, désireuses de pouvoir soutenir ce projet. Nous comptons encore cette année sur la participation des laïcs, encore que cette année, nous aurons 8 centres ciels. Nyangaiboko, Mbandiok, Kribi, Yaoundé, Ayos, Nsem, Sammelima et puis Mbalmayo. Nous comptons sur tous ces laïcs pour pouvoir nous accompagner dans tous ces projets. Dès le mois de mars, dès le 3 mars, nous serons dans Espérance 2018. En juin, les femmes seront en campagne. En juillet, ce sera les femmes. Et en août, nous serons ici, dans la région du sud, pour la grande campagne des pasteurs. Et en fin d'année, les hommes adventistes et les cielistes de toutes les promotions vont se mobiliser. Je voudrais engager chaque membre à prendre une part active à cette grande œuvre afin que 2019 soit une année d'espérance, une année de grand succès, une année de réussite et de partenariat avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous utilise afin d'être un instrument efficace entre ses mains cette année. Que le Seigneur vous bénisse.